beaucoup plus d'argent et gagner votre liberté financière. Bonjour mon ami, je suis Sambalo Befal, entrepreneur et expert en marketing digital. Dans cette vidéo, je vais vous montrer, vous expliquer comment faire de l'argent en marketing d'affiliation sur Quora. C'est parti. Connaissent pas, je suis Sambalo Befal, donc je suis entrepreneur et expert en marketing digital. Je suis aussi expert en marketing d'affiliation et je le fais depuis 2018. Le marketing d'affiliation, c'est juste de promouvoir les commissions que vous allez recevoir chaque fin du mois, ou bien les commissions aussi peuvent être des commissions uniques, c'est-à-dire vous vendez un produit ou bien vous faites la promotion d'un produit ou service et à partir de là, vous allez récupérer un pourcentage de commission. Donc ça peut être 10%, ça peut aller jusqu'à 50% et même ça peut aller jusqu'à 90%. Si par exemple le vendeur de ce produit ou service a un back-end, c'est-à-dire a toute une armée de stratégies qui va lui permettre, lorsque vous allez lui apporter des clients et qu'il vous rémunère, à partir de là, il va faire ce qu'on appelle des follow-up, c'est-à-dire de l'email marketing, et pour pouvoir vendre aux clients d'autres produits ou d'autres services. Donc, en quelque sorte, c'est ça le marketing d'affiliation. Et il y a pas mal de marketplace, c'est-à-dire pas mal de places de marché que vous pouvez rejoindre dès maintenant, ouvrir un compte et commencer à faire la promotion des milliers de produits. C'est le cas de Clickbank. Clickbank, c'est la plus grande place de marché en marketing d'affiliation au monde. Donc, je vais vous montrer Clickbank. Donc, c'est une place de marché qui va vous permettre donc de faire beaucoup d'argent en marketing d'affiliation. À part Clickbank aussi, il y a Digi Store 24. Digi Store 24, c'est beaucoup plus compatible si vous vivez en Afrique pour faire beaucoup d'argent en marketing d'affiliation. Et croyez-moi, je vous parle en connaissance de cause parce que je suis expert en marketing d'affiliation. Le marketing d'affiliation, c'est le meilleur moyen de faire de l'argent sur Internet en tant que débutant. Donc, c'est très important à partir du moment que vous maîtrisez le marketing d'affiliation, après, it's a game, c'est-à-dire après, c'est un jeu. Donc, on est sur Digi Store 24. Je vais choisir la place de marché Digi Store 24 pour vous faire cette vidéo, pour vous montrer comment vous pouvez faire de l'argent sur Quora. Quora, c'est un réseau social, hein? C'est une plateforme sociale donc, qui est réservée au Q&A, c'est-à-dire question and answer, c'est-à-dire question-réponse. Si vous ne connaissez pas quelque chose, vous allez sur Quora et posez cette question. À partir de là, les gens qui connaissent la réponse vont venir vous répondre directement. Par exemple, comment bien gérer sa femme, etc. Donc, les gens qui sont experts en gestion de femmes, par exemple, vont venir et vous répondre à votre question. Donc, voilà Quora en quelque sorte. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est d'utiliser la puissance de Quora qui a 300 millions d'utilisateurs mensuels. C'est très important. Donc, utilisez cette plateforme pour pouvoir faire la promotion des produits en marketing d'affiliation. Pour pouvoir le faire, vous allez venir sur Digi Store 24, c'est digistore24-app.com. Donc, vous allez venir là et à partir de là, vous allez ouvrir un compte. Donc, il vous faut un adresse mail, votre nom et prénom. Donc, je pense que c'est ça. Et votre adresse aussi. Et que Digi Store 24, les rémunérations qu'ils vous payent sont des virements bancaires directement. Alors que sur Clickbank, ce sont des chèques envoyés. Donc, c'est bien vrai qu'en tant qu'Africain ou bien, vous pouvez faire de l'argent sur Clickbank, mais quand même, en tant que débutant, c'est très important de commencer sur Digi Store 24. Donc, à ma gauche ici, nous pouvons voir les niches, c'est-à-dire les domaines. Il y a de l'animal, betting system, c'est-à-dire les paris, donc business and investment, computer and internet, etc. Donc, il y a pas mal de niches. Niche en marketing, ça veut juste dire
votre domaine de spécialisation, c'est-à-dire il y a les niches BISUP. Les niches BISUP, c'est Business Opportunity, c'est-à-dire vous allez vous concentrer sur tout ce qui est business en ligne, c'est-à-dire comment faire de l'argent sur Internet et que vous allez faire la promotion de ces produits pour permettre à d'autres gens comme vous de faire de l'argent sur Internet. Et c'est une niche très bien rémunérée. La deuxième niche qui est bien rémunérée, c'est la niche tout ce qui est santé et remise en forme, c'est-à-dire perte de poids, etc. Donc, à partir des niches, vous allez choisir un produit. Donc, par exemple, si on vient ici par exemple, donc on est à Business and Investment. Je vais vous montrer des produits. Donc, Crypto Canton Lips. 50% commission, c'est-à-dire 50% de commission. Par exemple, si vous faites la promotion de ce produit, vous allez récupérer donc une commission de 194 euros. Donc, il y a aussi pas mal de produits. Vous allez prendre, choisir un produit. Donc, nous pouvons scroller et par exemple, voilà, on va prendre ce produit. Donc, on va prendre ce produit. Pour faire la promotion d'un produit en marketing d'affiliation ou bien d'un service, vous avez besoin de liens. C'est-à-dire, vous avez, you need to get a link, un affiliate link, like we say. Donc, vous avez besoin de liens affiliés. Le lien affilié, donc, vous allez partager ce lien. Et à partir de là, si quelqu'un clique sur ce lien, il va venir directement sur la page de vente de ce produit. S'il passe une action, donc s'il achète, à partir de son achat, vous allez récupérer votre commission. Pour faire la promotion de ce produit, d'abord, il va falloir regarder la page de vente. C'est ce qu'on appelle le sales page. Pour voir si la page de vente de ce produit est bien faite. Donc, how to get this Bitcoin even if you have no clue about technology, c'est-à-dire comment faire de l'argent en Bitcoin si vous n'êtes pas si avancé en technologie. Voilà la promesse qu'on nous fait pour faire de l'argent sur en Bitcoin. Donc, le Bitcoin, ce sont les crypto-monnaies. Donc, c'est en vogue, hein. Pas mal de gens ont fait la promotion des crypto-monnaies comme Elon Musk, comme aussi Gary Vaynerchuk. Donc c'est excellent, que je pense que c'est la monnaie du futur, hein. Et vous allez voir la page de vente, il y a ce qu'on appelle le copywriting ici, c'est-à-dire l'écriture commerciale, c'est simple, hein, le landing page, c'est-à-dire le landing page c'est juste une page de vente pour expliquer qu'est-ce que vous faites. Je pense que oui, je pense que c'est ce que j'ai du mal à voir, c'est le bouton appel à l'action. Parce que pour vendre, il vous faut un bouton appel à l'action. Donc, puisque ce produit, je n'ai pas vu de bouton appel à l'action, donc on va essayer de voir un autre produit. Voilà un autre produit, cryptocurrency offer, c'est-à-dire l'offre de crypto-monnaie. Skate on Inventor Club, apparemment c'est un club. On va essayer de voir leur landing page, c'est-à-dire leur page de vente. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos de cette chaîne. Parce que ici vous allez apprendre tout ce qui est business en ligne, tout ce qui est immobilier, tout ce qui est make money online. Voilà, c'est tout ce que vous allez apprendre sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, à la différence de l'autre page qu'on n'a pas vu un bouton appel à l'action, ici il y a un bouton appel à l'action. Yes, reserve my seat now, c'est-à-dire oui, je vais réserver ma place maintenant. Donc ici, il y a pas mal de boutons appel à l'action, c'est bien fait. Aussi le countdown, c'est-à-dire countdown timer, c'est-à-dire c'est quelque chose qui joue à FOMO. Qu'est-ce qu'on appelle FOMO? Fear of missing out. En marketing, c'est très puissant, c'est-à-dire la peur de perdre pour votre client. Donc c'est très important lorsque vous vendez sur Internet que vous puissiez faire ce qu'on appelle des countdown timer. La page, c'est très bien fait. Autre chose aussi, avant de promouvoir un produit, vous allez besoin de voir ce qu'on appelle la page réservée aux affiliés.
cette base va vous permettre d'avoir des ressources. Par exemple, vous allez trouver du contenu de Facebook Ads ou bien des SWAT files pour faire de l'email marketing pour le produit. Parce que les gens qui ont créé les produits en marketing d'affiliation, souvent ils nous proposent de la matière pour faire la promotion de leur produit. Donc ici il y a pas mal d'informations. Mais bon, ce qui nous dérange ici aussi, j'ai pas vu le lien, c'est-à-dire pour prendre le lien et faire la promotion de ce produit. Donc pour aller vite, on va choisir une autre niche, par exemple de l'email marketing. L'email marketing, c'est une niche qui cartonne sur Internet. Donc perpetual income, c'est-à-dire de la revenu perpétuelle. Et donc aussi, pour faire la promotion de produits, vous avez besoin de prendre le lien. Voilà le lien pour faire la promotion d'un produit. Vous allez par exemple copier ce lien, et si on fait comme ça, oui, donc on copie le lien et on va aller sur bit.ly.com. Bit.ly, c'est un service qui va permettre ou bien tiny.com, il y a Bit.ly, il y a Tiny, il y a Cut.ly. Donc ce sont des services qui vont vous permettre de shorten link, c'est comme on le dit en anglais, c'est-à-dire de raccourcir le lien. Make Tiny, ici on met le lien que nous avons copié sur Digital 24 et on clique sur Make Tiny. À partir de là, voici le nouveau lien. Et ce lien, c'est beaucoup plus commercial que ce lien. Donc il faut comprendre que ce lien est beaucoup plus commercial que ce lien. Donc on va copier le lien. Et à partir de là, on va aller sur Quora.com. Donc, comme je vous ai dit, comment faire de l'argent sur Internet à partir de Quora. Et c'est pas seulement Quora. Il faut savoir que toutes les plateformes sociales sont là pour faire c'est-à-dire vous pouvez faire de l'argent. Les gens qui ont créé ces plateformes sociales font beaucoup de millions de dollars par jour. Donc ne perdez pas votre temps sur les plateformes sociales à vous amuser et regarder tout simplement des vidéos ou bien des contenus. Il faut savoir aussi avoir l'art de faire de l'argent sur l'ensemble des plateformes sociales, que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest. Donc il faut avoir cet art de faire de l'argent sur les plateformes sociales. Maintenant, à partir de là, nous avons entré un mot-clé, c'est-à-dire on peut mettre email marketing hacks and tricks, c'est-à-dire des hacks et des conseils en email marketing. Il faut juste entrer un mot-clé et à partir de là, vous allez voir des gens ou bien, par exemple, ici on met email marketing et on entre le mot-clé. Donc, à partir de là, forcément, nous allons voir des questions. Voilà. C'est ça l'importance de Quora. Vous allez voir pas mal de gens qui vont poser des questions. Ce gars, il pose une question, comment faire de l'email marketing? Quels sont les email marketing service plateformes? Donc, on peut y citer GetResponse, Aweber, MailChimp, donc ActiveCampaign. Il y a pas mal de logiciels autorépondeurs. Un logiciel autorépondeur, c'est un logiciel qui vous permet de faire de l'email marketing, mais aussi de SMS marketing, c'est-à-dire ce sont des logiciels automatiques qui vont faire de le travail pour vous, qui vont faire le taf pour vous. C'est ce qu'on appelle marketing automation. Quel est le contenu idéal d'un email marketing? Donc on va revenir sur le produit. On va essayer de voir, il s'agit de quel genre de produit. Apparemment, c'est un produit qui vous permet de faire de l'argent à partir de l'email marketing. Donc, on va essayer de voir ici une question compatible au produit. Pourquoi nettoyer? Comment je puisse écrire un email marketing? C'est quoi une expérience en email marketing? Et si quoi est utile? Blabla, how to increase? Voilà. It's an awesome question, c'est-à-dire c'est une question excellente qui va nous permettre de vendre le produit. Ici,
on va taper sur la question et on va essayer de à partir de là, on va écrire juste sous des conseils et à partir de ce conseil, on va placer notre lien de ce produit. Et s'ils cliquent sur ce lien et ils viennent acheter le produit, nous allons récupérer 14 euros. Bien vrai que ce n'est pas beaucoup, mais quand même, il faut toujours avoir un point de départ. Donc, voilà la dame qui demande la question ou bien. How to increase, it's in English, donc on va répondre à sa question. Hi sir, my name is par exemple Samba. And I'm an email marketing expert. An email marketing. And I'm an email marketing expert. Yes. Point. So if you wanna if you wanna increase your income, if you wanna, je vais copier cela, sa question. Et je vais venir le coller ici. Donc if you wanna increase your income, check out this check out this product. And à partir de là, je vais prendre ce 10 products et je vais poster le lien. Donc je vais revenir sur Tiny, je vais copier le lien et je vais retourner sur Quora. Je vais poster ce lien ici. Donc et je vais mettre ajouter. Donc à partir de là, 10 products, il y a le lien de ce produit. Et nous pouvons passer à la vérification, publier. Et boum, c'est excellent. Donc à partir de là, la personne va voir votre réponse. S'il est intéressé, il va cliquer sur check out this product et aller vers la page de vente. Par exemple, nous allons vérifier. S'il clique sur this product, il va aller directement sur la page de vente de ce produit. C'est excellent. Donc, il va regarder The VSL, c'est-à-dire la vidéo de The Sales Video Later, c'est-à-dire la vidéo de vente. Et à partir de là, s'il clique sur ce bouton, s'il passe une action commerciale, nous allons faire 14 euros. Bien vrai que ce n'est pas beaucoup, mais quand même, comme je l'ai dit, il faut tout le temps avoir un début pour pouvoir progresser. On n'est pas expert. It's hard work. Il faut toujours être excellent dans ce que vous êtes en train de faire. Et à partir de là, l'expérience va venir. Et le marketing digital, c'est comme ça. C'est un domaine où il vous faut tout le temps apprendre. Comme le disait Mark Zuckerberg, le CEO de Facebook. Nous vivons dans un monde où très dynamique. Vos compétences d'aujourd'hui ne sont plus valables demain. Il faut tout le temps passer beaucoup de temps à apprendre, mais aussi apprendre et pratiquer. Sinon, vous allez faire de la masturbation intellectuelle. Vous allez apprendre. Vous allez passer votre temps 50% à apprendre, mais aussi 50% à pratiquer. Et n'ayez pas peur de faire des erreurs. Donc, à mes débuts, je faisais beaucoup d'erreurs. Mais bon, puisque vous faites d'erreurs, puisque vous allez parfaire vos compétences. C'était tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, mettez un pouce like, ça nous aide beaucoup, donc à être visible sur YouTube. Abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la cloche de notification
pour recevoir les prochaines vidéos. Donc, quant à moi, mon très cher ami, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.